Minor Quarter BO3, peut-être encore en classique. Bon, du coup, on part sur une game 2. Ouais, game 2 d'un Winner Quarter. Bonjour le stream, moi c'est Mila. Yoshiro Somika. Joueur Lorrain. Je commente tout en Lorraine, quasiment tout le temps en fait. Ah, ok, ok, faut embrasser le micro, c'est comme ça. Ah, comme ça. Ah, ok, ok, c'est tout un art. Ouais. Donc, bon, j'ai pas eu tout le match, mais Yoshiro s'est fait 3 stocks, game 1. Oui, j'allais dire, je crois que c'est pris un sale 3 stocks, ouais. Ouais. Rosa Yoshi, ce match-up était horrible sur Smash 4. Je ne sais pas ce qu'il vaut sur Ultimate, mais je disais que ce serait quand même pas beaucoup. Je pense que c'est compliqué pour Yoshi. Hein. Le Luma, c'est un mur. Hein. C'est clairement ça. Yoshi a beau avoir la chaussure disjoint, et ça ne suffit pas contre Luma. Non. Une chaussure, c'est moins bien qu'une étoile. Oui, c'est logique. faut réussir à contourner. Uh-huh. C'est le problème, c'est le problème de tous les persos corps à corps contre Zayna. Hein. Coincé entre. Il a pris combien là-dessus. Je pense qu'il a pris plus de 20% du jab. Ouais, au moins. Grand minimum encore sur Smash 4, il en aurait pris genre 40. c'est dur de get in sur Rosa, no shit. Je suis made Luigi, évidemment que je suis au courant de ce problème. Non, c'est sûr que c'est compliqué. Après, je pense qu'une fois que Yoshiro a réussi à atteindre le corps à corps, je pense qu'il a moyen de mettre pas mal de dégâts sur Rosa. C'est clair, le perso est flotty, il se combo assez facilement. Ouais, elle est grande, flotty, relativement légère, elle mourra tôt et elle prend bien tous les setups. Là, il n'y a plus Luma, faut que Yoshiro se combo. Ouais, là c'est Yoshiro le moment. Back air 1 up smash, je pense que Rosa vire là.
Bon, là, Luma est de retour et Yoshiros qui est coincé à l'edge, hein. Il n'arrive pas à rejoindre le stage. Situation assez commune contre Rosa, hein. Rosa n'est plus aussi forte en juggle que sur le jeu d'avant, mais par contre son edge trap est toujours assez démoniaque. C'est ça, bon voilà, on est retourné sur un peu une phase de neutral, on cherche un peu. Et voilà, de nouveau du ledge trap, pour voir comment. Voilà, il a essayé de passer par au-dessus, il a pris un up smash. Le classique, hein. On a envie de sauter contre Rosa et c'est là qu'on se prend son up smash. C'est ça. Et en même temps, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre, hein. Ouais, c'est vrai que c'est si compliqué, hein. Le Luma Shot qui est tellement fort dans Ultimate, étonnamment. Je pense que la meilleure solution, ça reste de balancer des œufs comme ça, hein, à mon avis. Puisque avec les œufs, il aura plus de range quand même que Rosaina. Mmh. Alors évidemment, il va pas beaucoup s'amuser, mais il peut gratter quand même comme ça petit à petit. Ça peut marcher, mais après, je sais pas s'il y a la guerre du projo. Rosa peut pas juste side B et out damage les œufs de Yoshi. Je ne sais pas, mais il peut se mettre hors de portée, tu vois, avec ses œufs max range. C'est vrai qu'ils vont vachement loin. Très bien vu, Omika qui est un peu autopilot. Il est un peu bourré le jab, ouais. Il est un peu autopilot sur ses jabs en mode ouais, ça coupe plein d'options, blabla. Et du coup, tac. Et donc maintenant, la bonne chaussure de Yoshi aux fesses. La phase de juggle, hein, qui est peut-être moins bonne qu'avant, mais qui reste quand même plus que sérieuse, hein. Clairement, hein, c'est avant c'était broken, maintenant c'est juste très bien. Même Yoshi, perso, assez sans défense, sans désavantage, une fois qu'il a perdu son double saut. C'est ça. Voilà, il se fait nouveau zoné par Luma. Mm-hmm. Il s'est complètement gardé à l'edge. La totalité de la game se passe à l'edge presque. Yoshi doit trouver des solutions pour sortir du désavantage. Omika qui gère très bien le salaire. Le donner bien trouvé en passant au-dessus de Luma. C'était bien vu. Up tilt, up air, et Luma qui vient lui coller un petit back air. C'est le sum. Ah mince. Ah, il n'avait plus de double saut. Bah, je sais pas, visiblement c'est curieux, je l'ai pas vu craquer son double saut. Je suis un peu étonné. Il a du derp, je suppose. Il a AFK mentalement. Je sais pas, c'est curieux. Je pense que mentalement ça doit être compliqué pour Yoshiros. Mmh. Puis c'est un matchup qu'on connaît pas très bien ici. Ouais, clairement, il y en a pas qui traînent ici. Bah, vous avez de la chance, il y en a deux qui sont ramenés pour ce week-end. C'est l'heure de train. C'est ça. Mais, clairement, voilà, un matchup les œufs. Difficile à appréhender et très frustrant. Envoyer un œuf par-dessus Luma. Ça semble être la méta, hein, contre Rosa. Je pense, hein, je pense que c'est ce qu'il a de mieux à faire. Après, bon, elle a son down B, quoi. Ouais. Il est passé au-dessus, il a pris un up smash. Le down B de Rosa, c'est un peu comme sur Game Watch, on est là, ouais, reflect, machin, mais en fait, c'est laggy. C'est pas comme sur Smash 4 où ça a vraiment zéro lag. C'est sûr, c'est laggy, mais est-ce que je pense pas que ce soit facile à punir quand t'es bon. Oh là 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 là. Ouais, disons qu'il faut le double jab là, Rosa Luma. Ouais, non, mais le Rosa Luma sandwich, ça fait tellement de dégâts. C'est rude. On voit que Yoshiros cherche pas vraiment à tuer le Luma, hein. Il cherche à le contourner plutôt. Mais. Est-ce qu'il devrait peut-être pas essayer de le... Oh là là, il a trop attendu. Le Luma Ken. Le Shoryu de Luma, le personnage. Et donc c'est un 2-0 pour Omika. Et ben, aujourd'hui j'ai appris quelque chose, que ce truc touche en dessous. Je trouve que je me le serais pris aussi, celui-là. Effectivement. C'est un up smash, non?